Salut à tous et à toutes, c'est 7x71, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Xbox One, la Xbox One, voilà, la Xbox One, avec Forza 6, tout simplement. D'habitude je monte la boîte, mais là, elle est pas avec moi, elle est là-bas au-dessus, Forza 6, Forza Motorsport 6, je crois que c'est plus exactement. Allez, c'est parti, donc alors, là, on est dans le menu, tout simplement, donc passer à la course voiture, les réglages, les personnalités, donc on va aller, je crois que j'ai débloqué une voiture hier, alors, je suis vraiment au tout, presque tout début du jeu, j'ai dû faire deux ou trois courses, alors, je dois avoir deux voitures différentes, voilà, la BMW M23, voilà, je l'ai dû lui gagner, donc piloter voiture, je crois que j'ai fait une connerie, alors c'est bon, ok, ça va. Alors, qualification, machin, voilà, carrière, qualification, etc. Donc, on va aller dans carrière. On est là pour jouer, merde, acheter une voiture. L'autre est pas dispo, alors. Bon, bah, c'est pas grave. On va prendre la Honda. Oh, punaise. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais joué. C'est pas une blague. Jamais joué à un Forza Motorsport. Forza Horizon 2, j'y ai joué. Un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu, j'avais bien aimé et tout. Mais il se trouve que j'ai pas eu le temps de faire le jeu. Et un Forza Motorsport, jamais. Alors, bon, c'est parti. Alors, oui, continuez. Jamais. La dernière course qualification a lieu au Circuit of the Americas. Les deux portions les plus importantes sont l'épingle menant à la longue ligne droite et la grande zone de dépassement montant jusqu'au virage 1. Ok. Merci de ton information. Alors, un chargement un petit peu long dans le jeu, c'est ce que j'ai pu remarquer au début également. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, j'ai vraiment jamais joué. Hein. Faut savoir que c'est pas vraiment mon style. Alors j'ai joué à des jeux de voiture déjà, du même genre. Hein. Grid 2, Gran Turismo. Mais c'est vrai que c'est pas mon kiff. Grid 2, j'avais adoré, mais c'était pas pareil. C'était plus arcade, etc. Et j'ai l'impression que ce jeu est plus grand public qu'un Gran Turismo. Et je comprends maintenant pourquoi les gens préfèrent du Forza à du Gran Turismo. Tout simplement parce que j'ai l'impression. Oui, je sais. Casse-moi pas les dents, s'il te plaît. Commence pas. Sois gentil, un petit peu. Ah voilà, j'ai mis pilote débutant. Hein, vous le voyez, hein, je joue vraiment pas. Hein, parce que vraiment, je débute. Par contre, alors attendez, aide au pilotage. J'ai enlevé un truc. C'est ceci là, les deux machins là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la direction elle est un peu en moins. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'arrive à gagner comme ça, donc c'est bien. Donc oui, je pense vraiment que Gran Turismo est beaucoup plus axé, vraiment beaucoup plus poussé action, etc. Que ce jeu là, que ce jeu de genre Forza, qui fait que au final, bah, tu prends plus de plaisir à jouer sur un Forza. Parce que justement c'est plus grand public. Alors moi je joue comme ça, vous m'en voulez pas hein. Hop là, on joue comme ça et puis c'est tout. Ok, allez. Hop là, on va essayer de tous les doubler maintenant. Allez. C'est pas facile hein, les jeux de course, mine de rien, les jeux comme ça. Là t'as intérêt d'être assez assez bon, assez. Bah de freiner de bonheur quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut rembobiner dans le jeu, j'ai vu ça hier aussi, mais combien de fois? Je sais pas. J'ai rembobiné plein de fois dans la course. Bah parce que je suis mauvais. Et puis tout simplement ça m'a rien fait. Alors bon, faut essayer de conduire comme il faut quand même, mine de rien. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est bon. Ça va. J'ai pas fait trop de la merde. Allez, je bouffe un peu le bord, mais c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose de bien. Oh putain, mais il est loin le premier en fait. Oh là, là c'est de la merde. Oh, mais en fait, je fais de la merde là, je me rends compte. Je vais peut-être recommencer la course. Oh, peut-être pas tout de suite quand même. Allez, j'arrête là, ouais, j'arrête là. On va essayer de rester sur la route. On va essayer de te doubler toi comme ça. Voilà, dépassement correct, c'est une bonne news. Ok, là je vais essayer d'aller comme un gros bœuf là. Là je vais y aller doucement. Voilà. Allez, il y a combien de tours? 1 sur 2. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors attends. Ah, tiens, voilà, ça m'a freiné. Mais ça m'a perdu trop de temps, donc au final je recule. Voilà, le Prince of Persia il est en moi là, le Prince de Perse. Merci mec. Merci, c'est gentil. Donc du coup on va freiner un petit peu, on va accélérer de temps à autre. Voilà, ça c'est ma petite technique secrète. Voilà. Ah c'est vrai que c'est plus rigolo, on a une force speed, t'arrives, ton virage, tu t'en bats les steaks, tout le virage. Tu prends au frein à main et bah les steaks. Tandis que là, regardez. C'est tellement pas évident. Mais là à mon avis. Ah oui. Ça sent la défaite. Alors attends. Allez, bah c'est pas encore fini la course, faut pas dire ça, mais bon. Si je pouvais arriver au moins deuxième, ce serait une bonne news. Mais là, mais, vu à la vitesse où il avance l'autre Cassos là-bas, ça risque d'être très compliqué. Ok, je vais essayer d'aller très vite là. Voilà, ça passe si ma voiture ne tombe pas. Non, c'est bon. Yes, c'était propre ça. Par contre, là, faut que je freine. Ah. Ok, c'est pas grave.
Je reste du bitume comme ça. Et je passe par là. Voilà. Non, 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 non. Quel con, j'ai pas eu le virage. Abruti con. Abruti. Ok, on reprend là. Stop. Arrête. Ok. Y'a moyen de le rattraper au prochain tour. Putain, je refais la même connerie, je suis con. Ah d'accord, oui d'accord, on peut encore passer par là. Et par contre là, il y a de l'herbe. Pas bon. Eh ben, je suis très mauvais. Je suis très mauvais. Je recule. Je veux pas que tu me dépasses. Tu me touches pas. Tu ne me doubles pas, ok? Ok. Encore. Ah ben, je suis un noob, hein. Clairement, hein. Je sais qu'on va m'insulter, mais je m'en fous, hein. Je suis un noob. Allez. Voilà. Allez, on sait quoi? On se dit que c'est le dernier. On va essayer. Non, mais une fois que je suis premier, franchement, j'arrive mieux à conduire que... Parce que là, t'as la pression, tu dis putain, faut que je le rattrape et tout. Le gars, il avance, machin. Il faut vraiment que je conduise bien comme un taré, quoi, en gros. Et au final, bah, tu te plantes, quoi. Oh, qu'est-ce que tu me doubles? Dégage! Dégage! Voilà. Allez, on va essayer de faire ça bien. On va suivre les flèches déjà, premièrement. Ça peut peut-être m'aider. Hop. Ok. Là, on a fait. Ah, à mon avis, j'arriverai pas premier, elle va beaucoup trop vite, l'autre. C'est un truc de taille. Eh, mais même en pilote débutant, j'arrive pas à gagner, quoi. Oh merde, j'ai perdu du temps là-dessus. Je perds encore du temps là-dessus. C'est pas grave, je la rattrape. Ma voiture part en cacahuète. C'est génial. C'est génial. Ok. Allez. On y croit. Voilà. Oula, doucement. Pars pas en cacahuète, s'il te plaît. Je la rattrape doucement mais sûrement. Virage correct, ça se fait plaisir. C'est vrai que pour le moment de ce que je jouais à ce Forza 6, je le préfère largement à Gran Turismo 6 que j'avais fait, enfin j'avais essayé. Oh merde. Que j'avais, mais les rembobinages par contre c'est vrai que, bon après si t'en veux pas tu utilises pas mais c'est vrai que c'est un peu abusé quoi. C'est vrai que, donc pour en finir à ce que je disais, c'est vrai que je trouve Forza beaucoup plus sympa que Gran Turismo. Plus d'impression de vitesse, etc. Non, c'est moins poussé simulation, du coup j'aime mieux. Enfin, j'espère que je vais pas perdre trop de temps avec cette connerie. Enfin, c'est vraiment stressant là. Allez, double. Oui! 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 I am the first of the course! Merde. Ah oui, là c'est le fameux virage que j'ai pris comme un taré tout à l'heure. Et ça passait en plus. C'est ça qui était énorme, c'était passé. Donc là, faut que je fasse pareil. Oh oui! Là, t'iras prendre un virage comme ça dans Gran Turismo, mon gars. Jamais! Jamais tu le passes ton truc dans Gran Turismo comme ça. Eh oui! Jamais! Tu m'entends, Gran Turismo? Monsieur Gran Turismo? Fais un jeu comme ça et on en reparle! Oh putain, merde! Ok, le mec il s'excite tout seul sur son fauteuil là. Ok. Oh putain, vite! Vite! C'est la ligne derrière. Oh non, non, non! Non, quel con! Vite! Vite! Allez, Honda! Allez, Honda! Allez, Honda! Allez! Et c'est beau, hein, avec le public et tout là, franchement, c'est de la stylée, hein! Eh ouais! Oui! J'ai réussi! J'ai réussi! Nouveau bandage! Non, badge, pardon, dévrouillé! En route vers la victoire! Ok, allez! À chaque niveau d'affinité supplémentaire avec un constructeur, vous recevez des crédits. D'accord! Ok! Je continue, je confirme. Vous avez alors terminé le championnat qualification avec succès. Ouais, je suis heureux. Bienvenue dans la section haut de gamme. Ah oui. Nous allons en apprendre un peu plus sur les voitures haut de gamme. Le mec, il s'excite. Alors, s'il vous plaît, faut que je fasse quoi maintenant? Alors, tout fonctionne. Voilà, on a mis 9 minutes à faire une course, c'était génial. Chargement, oui, donc, voilà. Ou alors, plus honnêtement, quand je dis, j'ai l'impression que tu peux te permettre plus de folie que dans un Gran Turismo, parce que... Ah, merde. Notre first, and sometimes only, taste of racing comes on the streets. If you love cars, this is where it all starts. In the empty parking areas, and on the city streets where you race your mates between stoplights. We do this in the very first cars we owned, or the ones we saved up for later. Then we fiddled with the engines and the suspension until they went faster and added stripes and stickers so they looked faster too. It's the same around the world. Whether it's on Japanese mountain roads, on Britain's back lanes or America's superhighways. We're talking about affordable heroes, cars that bring performance to the people. Whether they're smoking around a parking lot or hammering along a city circuit you designed yourself.
They aren't the most expensive, and they won't win every drag race. But they all prove one thing. You don't need $1 million to have a car with a big heart. Chaque section est composée de 3 championnats. Nous allons choisir quelle voiture vous allez utiliser pour chacun d'eux. Vous êtes maintenant engagé dans le championnat Challenger. Allons choisir le type de voiture que vous allez piloter. Chaque division comporte un groupe de voitures d'une sous-culture spécifique. Sélectionnez l'une des divisions en surbrillant ci-dessous pour choisir une voiture de la liste. D'accord. Je crois que j'ai une vie. Oh putain ta gueule. Voilà. Ma BM. Ouais. Ok. Amélioration manuelle. Quoi? Améliorer votre voiture avec la manuelle. Nous vous recommandons de l'améliorer. Voulez-vous. Oui. T'es bon? Acheter pour 35 000 crédits? Bah écoute, vas-y. Fais-toi plaisir. Moi j'améliore ma BM, y a pas de problème. Moi j'ai envie de rouler en BM moi. Ma Honda, au bout d'un moment, ça va, hein, t'as envie de changer, quoi. Hein. Bon, vous êtes fin prêt pour participer au championnat haut de gamme. J'ai chaud Challenger, en plus. C'est parti. Oui, tais-toi, je veux jouer. Oh merde! La première course du championnat se déroule à Watkins Glen. Un tracé faisant la part belle à la puissance pour venir à bout de son important dénivelé. Attends, j'ai pas choisi ma difficulté, c'est normal? Hein, parce que moi, voilà, au bout d'un moment. Moi, je suis timide, moi, je me mets en pilote débutant, quoi. Je suis un hardcore gamer, attends. Code gamer dans l'âme, je cherche le challenge. Je mets en débutant. Franchement, qui peut prendre du plaisir à jouer à un jeu en mettant en extrême? Franchement, enfin, pas moi. Alors, quand tu prends la manette, c'est pour te poser, te relaxer dans ton fauteuil. Tu joues, t'es comme ça, les pieds en éventail. Bah les steaks, t'es pas pour là pour te casser les dents, taper les manettes comme ça contre les murs, puis rager comme un gros porc. Non, t'es là pour t'amuser. Point. Point final. Alors. Forza Motorsport 6 est une simulation réaliste proposant diverses aides au pilotage pour rendre le pilotage accessible à tous. Dans le menu Aide au pilotage, vous pouvez régler ces paramètres pour profiter pleinement de cette simulation. Voilà, vous avez entendu? Accessible à tous, donc même à moi. On dirait pas comme ça, mais c'est même accessible à moi. C'est gentil, c'est très gentil de leur part et je leur remercie beaucoup. C'est très sympa, merci. Ok. Ah, ma BM. Bonjour. Alors. Robert, attends, on va peut-être regarder la route. Bon, d'accord, visiblement, il y a un virage. Ok, il y en a qu'un qui le prend à l'extérieur, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le bitume, tout va bien. Ok, on retourne sur la route. Voilà, c'est mieux quand même. Pardon. Je voudrais passer, merci. Au revoir. Content de vous avoir connu, content de vous avoir foncé dans le derrière, pardon. Et attends, mais je suis pas une tondeuse, l'autre il me fallait dans l'herbe. Mais c'est chiant à doubler là-dedans, c'est comme dans Drive Club, putain. Les gars ils sont. Pardon, désolé. Ok, on rembobine, parce que là ça devient du n'importe quoi. Mais non, mais ils se mettent. C'est dégueulasse. Ok. Voilà. Ce qui est marrant, c'est même les bagnoles qui avancent pas vite, ça va vite, donc je sais pas ce que ça va donner à la fin du jeu. Oh putain. Non, 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 non. Non. Stop. Ok. Ouh. Soit c'est ça, c'était soit un coup de génie, soit un coup de déglingué, quoi, mais c'était pas mal. Ok. Ouh là, ça va trop vite. Elle va décrocher la voiture. Non, elle va pas décrocher, elle va tenir. Elle va tenir, voilà, nickel. Ça, c'est de la putain de BM, mon gars, ça, c'est de la... C'est de la bagnole, ça. Pardon. Le gars anti-jeu complètement quoi. Oh putain c'est dégueulasse comment que je conduis. Oh là 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 là. Oh putain c'est une catastrophe mec. Là les gars qui. Vous qui regardez cette vidéo là, les fans de Forza, mais quelle catastrophe ce bonhomme. On s'en fout, on est là pour s'amuser. Et on s'amuse, c'est le principal. C'est ce que je recherche dans cette vidéo. C'est l'amusement et là je m'amuse. Là ça fait plaisir. Là, au revoir. Bon maintenant je suis tout seul hein. Maintenant je suis comme ça là. Je vais débloquer tout le monde. Doubler tout le monde. Ils peuvent rien contre ma voiture améliorée, une BM améliorée. Qu'est-ce que tu veux faire contre une BM améliorée? Hein? Allez. Même une Bugatti, ça fait rien face à une BM améliorée. Peut-être pas jusque-là, mais. Allez. On y croit. On y croit, on y croit. C'est très joli là, c'est très joli.
C'est vrai que le jeu en lui-même est assez joli, même s'il y a des aliasing un peu sur la bagnole. C'est vrai que sinon c'est très beau. J'aime bien. J'ai encore pas fait de course avec la pluie. J'espère que c'est pas comme dans Project Cars, parce que sinon, catastrophe. Virage correct, merci. Attends, je vais en faire un autre, regarde. Attends, je suis. Voilà. Je fais un virage correct encore. Oh. Arrête. Il y a combien de tours? 2. Ah, voilà. Bam, allez. Félicitations, vous avez battu. Oh, j'ai battu quelqu'un. Oh putain. Oh putain. Ah bah, ça fait comme tout à l'heure, hein. Ou alors rembobiner, parce que là, ça le fait pas, hein. C'est vrai que par contre, ça, c'est les problèmes des jeux de course de comme ça, en fait. Stop. Arrête. Arrête, j'ai battu un record. Voilà. C'est le problème des jeux de course un peu à la Forza, Gran Turismo, c'est que quand t'es dans les... Bah, c'est même temps, vous allez me dire, c'est le style de jeu. Dès que t'arrives dans un virage, un peu trop vite, ça y est, c'est foutu, quoi. Voilà, parfait. Voilà, je pense que ça passe comme ça, hein. Voilà. J'aime bien entendre les pneus qui couinent. Voilà, ça veut dire que ça tient la route, au moins. Ok. Là, il y a une petite ligne droite, donc on va rester tranquillement. Oh, bah, c'est là que j'avais foncé dans la grille tout à l'heure. Et j'ai failli recommencer, en plus. C'est génial. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation, en fait, là. Comment ça se fait? Il y a peur qu'il y ait des radars, ou ça se passe comment? J'ai dit remarquer, en fait. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ok. Allez, go. Hop. Là, je suis chaud, là. Là, je suis chaud, personne qui m'arrête, là. Là, j'ai mis une calotte allez, au premier, là. Laisse tomber, enfin, au deuxième, maintenant, mais... Non. Hop, là, c'est bon. Freine. Oh, putain. Oh, putain. Ah, oui, mais il est complètement taré, celui qui conduit ce BMA. Il va beaucoup trop vite, hein, je l'ai déjà dit, mais... Alors, on va revenir encore un petit peu. Ah, bah, tiens. Peut-être que ça va me faire faire... Ah, d'accord, pas du tout. Allez, freine. Freine, Max. Freine. Voilà. Ça va encore trop vite. Qu'est-ce qu'il leur faut? Voilà. Heureusement qu'elles sont là, c'est une rouge. Hein. Bleu. Virage correct. Ah, bah nickel. Il y aurait pas ces lignes rouges pour me dire ah, freine, coco. J'appuierai tout le temps sur l'accélérateur, moi. Et alors, regarde, ça passe là. Ça, c'était bien orangé, mais c'est passé. La pine. Virage correct. Oh putain, ça y est. Aïe. Ah, mon dieu. Voilà, c'est bon. En plus, je me suis fait mal à l'épaule. Bon. Ok. C'est bon. Virage correct. Oh non. Oh non. C'est dommage. Ah là, la virage correct, je suis obligé là. Putain, y'a pas de virage correct encore. Mais ils m'en veulent, hein. Ils m'aiment pas. C'est bon, j'ai dit que Gran Turismo c'était nul à côté. Ne te fâche pas. Dis-moi, sois gentil au moins. Ah bah voilà, virage correct alors là que je mords complètement de bordel. Allons-y, soyons fous. Vas-y, regarde, elle va mettre virage correct alors que tu vois, je vais foncer dans la balustrade. Ah non, c'est bon. Oh, il aurait pu mettre virage parfait là, parce que le petit drift et tout. Bah alors, vous êtes où? Ah, vous êtes où? Bah voilà, j'ai gagné. Parmi, premier, nickel. Il y a le chat qui me regarde dehors avec une tête, vous aurez vu ça. C'était épique. Bon, bref. Alors. Ouais! Alors, attention, attention. Ça se produit à chaque niveau de pilote. Alors, attention. Continuez de jouer pour découvrir ce qui vous attend. Vous avez remporté des crédits. 50 000 de crédits! Pa-pa-pam! Le mec, il s'excite alors tout seul, quoi. Oh oui, encore un. Ah non, quand même pas à chaque fois. Allez. 19 minutes, on en fait une dernière, les gens. Rien que pour vous, on en fait une dernière. Sebring International Raceway sous une pluie diluvienne. Oh putain, la pluie. La pluie pose plusieurs problèmes. Les pneus perdent leur adhérence plus facilement dans les virages, les distances de freinage sont plus longues et les flaques augmentent les risques d'aquaplaning en se formant. Soyons fous. Aquaplaning, dérapage contrôlé, longueur de freinage accrue. On va où, quoi? Cadeau reçu? Ah bon? Par qui? Comment j'ai fait ça? J'ai reçu un cadeau, mais comment on fait pour le voir? Bah écoutez, j'irai voir après, j'ai reçu un cadeau, enfin j'y pense. Ça me gratte le nez, vous pouvez pas savoir à quel point... Ah bon dieu, voilà. Allez, dépêche-toi, pas que ça à foutre le... Alors attends, mode, réglage. Ah c'est peut-être là-dedans les modes. Non. Réglage, entraînement, grille de départ, attends.
Réglage. Réglage plus, il faut que je mette, non? Non. Faut que je mette pneu là. Ah, pression. Oh ouais, bah tu sais quoi, on va rien toucher parce que bon, j'ai pas fait le foufou. Je vais juste là m'assurer que ce soit en... Ouais, voilà. Et. Et le pilotage, façon. Allez, on va faire sous l'appui. Putain, ça me gratte tellement le nez, je vais pas y réussir. Voilà, allez, hop. Go, 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 go. Je sais pas du tout c'est qu'on voit le cadeau. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Faudra que j'aille voir dans le menu principal peut-être. Oh, c'est tellement magnifique là. Oh oui, la pluie. Oh, c'est magnifique. Ah, je suis désolé, hein, je vais pas jouer en vue intérieure, hein, pour ceux qui me se demanderaient. Non, je suis allergique à la vue intérieure. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. En tout cas, franchement, c'est très bien. Franchement, c'est chouette. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. Attends. Je vois rien, là. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique, j'adore. Waouh. C'est bluffant, l'effet de pluie et tout, là. Bah ouais, hein. Pluie qui freinage beaucoup plus long. La preuve, regardez quand ça commence qu'il faut ralentir. J'avais oublié qu'on était sous la pluie. Mais la BM, ça marche même sous la pluie, ça marche, ça roule même. Enfin, ça roule plus, c'est une voiture. Pardon. Ah, ça glisse. Oh là 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 là. Ah, il faut que j'arrive premier pour essayer de me conduire comme il faut. Vous avez vu tout à l'heure, une fois que j'étais premier. Il y a combien de tours? Deux. Oh bah ça va. C'est vrai qu'il fait pas beau, hein. Il fait pas beau. Je vois pas que j'ai pas assez freiné, j'ai freiné comme un bœuf. Ah c'est bon, ça va. Allez, on est parti. On est des fous là. Ah, je suis concentré à fond là et franchement je kiffe. J'adore ce jeu. Enfin pour le moment. Je sais pas si je vais le finir. Oh non! C'était quoi ça? Je pouvais plus rien faire. Pour le moment ouah, je suis bluffé par les... En fait partout quoi. Franchement là le jeu est absolument... Waouh, la pluie je kiffe quoi. J'aime pas vraiment en vrai, mais dans le jeu je kiffe. C'est jouable, c'est kiffant. C'est vraiment kiffant, c'est beau, c'est... Voilà, voilà, je suis un peu estomaqué là. Est-ce que c'est l'effet de la vidéo? Je sais pas. Ah, c'est pas vrai! Mais elle était... Ah si, c'était en rouge. J'allais dire c'était en bleu. C'est le gars. Mais c'était en bleu. Ok, on freine. Ok. Allez, let's go. On y croit. J'ai le nez qui se remet. Voilà, virage correct. Ah voilà, j'ai bien fait de rembobiner. Allez, on y croit. On y croit, cette course, les gens y croient. Plaisir des yeux. Oh putain. Oh, je commence à... C'est marrant, il y a les gâchettes qui vibrent de temps en temps. C'est assez rigolo. Mais attendez, j'ai un truc... Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que la manette Xbox One aurait des trucs de chaque côté? Je ne sais pas. Enfin, plusieurs vibreurs dedans qui fait que ça vibre à gauche ou à droite. J'ai bien l'impression. On va se faire plaisir là, long. Oh mon gars! Bam! Le mec, il s'est pété son câble. J'ai dû vous bousiller les oreilles, je suis désolé. Oh bah ça va, c'est un petit virage. J'ai rien dit. Non, c'est bon. Oh putain. Boulet. Zéro. Zéro le mec. Alors là, zéro. J'aurais dû écouter la flèche. Ok, on freine. On freine, encore. C'est bon. Vous savez quoi, pour kiff? Attendez. Je vais quand même essayer de prendre... Voilà, on va faire un petit peu comme ça, là. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. J'ai battu un record encore. On va commencer à freiner un peu, là, peut-être. Là, par contre, on n'y voit plus rien. Je suis pas tranquille. Je suis pas serein. Mais c'est pour vous montrer, hein, vraiment. Oh là là. Oh là! Oh, c'était limite! Vous tournez où? Me suis loupé. Me suis loupé. Oh là là, ce drift!
Voilà, une autre vue, hein, je vous les montre tout ça. Toutes. Par contre, là, je déteste ça, j'ai l'impression qu'en fait, je tourne la caméra, mais pas la voiture. Donc voilà, une autre vue. Voilà. Une autre. Et la mienne. Voilà, tout simplement. Bon, c'est vrai que ça fait peut-être un peu moins joli comme ça. C'est vrai que quand tu passes comme ça, t'as l'impression que la voiture, c'est du cartoon, quoi. C'est vrai que, esthétiquement, les voitures, pas top. Mais le reste... Ouais, c'est vrai, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une voiture dessinée à la main. On dirait du cartoon, la voiture. Et c'est chelou. Non, vous trouvez pas, vous, les gens? Regardez. On dirait du... Ouais. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. Merde, le con, j'ai oublié de freiner encore. J'étais après ma voiture en train de me... Ouais, ça, c'est bizarre, tout. Mais... Stop! Voilà, merci. Allez. On freine, encore. Mais c'est pas vrai! Faut freiner combien de fois pour pouvoir passer ce putain de virage? Encore. Bon, vous avez vu que le bouton Y était largement abusé. À mon avis, ça va être patché, ça. Ok. Allez, on freine. Bon, c'est vrai qu'en même temps, c'est une épingle, le bordel. Alors, faut bien y passer. J'avais pas fait assez attention de ça. Je vais me faire doubler. Oh là. Allez. C'est bon. Ok. Allez, ce fois, on est reparti. On est chaud. Allez. Voilà, la petite... Oh, merde. Ah, allez, je lave ma voiture dans la flaque d'eau. Je fais de la merde. Et concentre-toi, mec. Concentre-toi. On va bien. Tout va bien. Je vais bien. Allez. Voilà. Regarde, frein. Je fais de la merde, mais je suis pas concentré. Je sais pas ce qui m'arrive là. Je m'énerve tout seul. Encore. Stop, j'ai dit. Arrête. Voilà. Je suis désolé hein, de vraiment utiliser ça, mais là je suis pas concentré du tout. Et je fais vraiment de la merde. Voilà, ça se voit hein. Pourquoi je fais de la merde comme ça alors que tout à l'heure je conduisais très bien? Je sais pas. Non mais encore un peu, voilà, parce que là honnêtement là je fais de la merde et ça m'énerve. Ok. Oh là là. Je vais faire doubler mais c'est pas grave. Voilà, je passe ce virage bien. Ah bon, on accélère comme des fous. Voilà. Merde. À la fin. Mon dieu, ça sent le pneu là. Allez. Ce fond, on conduit bien. Je suis vraiment désolé pour ce moment. Ces 2-3 passages là. Casse-couille. Hein. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi? Mais je fais de la merde et je m'énerve tout seul. J'étais de bonne humeur et tout. Et là, ça m'énerve. Parce que je sais très bien qu'il faut que je freine et tout. Et non. Voilà, ne tourne pas avant d'avoir freiné, ne réaccélère. Voilà! Bravo Seven! T'as réussi! Ouais! Le mec est complètement pété. Lui. Oui, on est deux dans ma tête des fois. Mais il faut que l'autre se réveille. Et quand il est réveillé, ça fait des dégâts. Donc là, il va se réveiller. Et là, il est réveillé pendant cette vidéo. Il va s'endormir un peu plus tard. Et après, il va nous faire chier pendant une autre vidéo. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer quand on est deux. En plus, je cause en même temps. Oh, alors, t'es garanti pas. Hein. T'es garanti le dégât, bah ça se voit, hein. Je sais même pas si je suis un virage parfait. Putain, je vois plus rien. Voilà. Allez, on va avoir une longue ligne droite maintenant. Avant d'avoir ce petit virage au fond. C'est très joli à part ça, encore une fois. Voilà, c'est beau. Magnifique, Michel. Allez. On y croit. L'autre est... Elle est quand même loin. On voit ses phares au loin, mais c'est quand même pas ça, tout ça. Ok. Ok. J'ai freiné pile au bon moment, je crois. Quand c'est comme ça, c'est qu'on peut passer. On peut passer. C'est vrai qu'il y a de l'aquaplaning. Merde, faut faire gaffe aussi. Bon, en même temps, on a des bons pneus normalement. L'aquaplaning, ça va quoi. Au bout d'un moment. C'est bon. Ouais, on a gagné grâce au cheat. Nouveau badge déverrouillé, cercle des vainqueurs. Bon, en même temps, c'est pas compliqué de gagner dans le jeu. Il suffit de mettre triangle, Y, et puis c'est bon, tu gagnes. Bon, j'avoue que c'est pas très sportif. Mais moi, j'ai jamais prétendu être quelqu'un de sportif. Oh non, tu fais exprès là! Les épreuves de rassemblement vous donnent l'occasion de piloter certaines des voitures les plus rapides au monde. Dans des épreuves mettant en valeur ce qui les rend si spéciales. D'accord. Vous avez déverrouillé votre première épreuve de rassemblement. D'accord, ok. Bon bah voilà, donc les gars, je vais les gens, plutôt.
Je vais vous laisser là-dessus parce que tout simplement, ça fait déjà une demi-heure, donc je vais pas faire ça en vidéo. Et on se retrouve, enfin j'espère déjà premièrement que cette vidéo vous aura bien plu, que vous aurez pris du plaisir à regarder. C'était un peu tout foufou, mais c'était rigolo. Excellent jeu, FIFA 6, ce Forza 6, franchement pour le moment c'est très très sympa. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc à très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.